Amen. Et que personne ne vous trompe. Abraham ne pouvait jamais devenir le père de la foi s'il n'avait pas donné son fils. Abraham a compris comment tata a condimenté sera pesaka mwana na été. Dieu nous teste toujours dans le donner. Nzamba mekarabiso na tango ya kopesa. Donne-moi. Pesanga. Avant que je te donne. Yambonga na pesa yo. Alléluia. Tout ce que vous recevez de vous-même, par vos efforts, ça ne vient pas de Dieu. C'est un piège. Alors faites entrer Dieu dans vos affaires. Alléluia. C'est la seule façon de sanctifier tout ce que vous avez reçu avant de connaître Christ. Vous avez le gardé. Si vous aviez des entreprises, vous ne connaissiez pas Jésus autrefois. Maintenant que vous avez connu Dieu, vous venez connaître Dieu, alors faites entrer Dieu dans vos affaires et vous allez garder vos entreprises et vous allez voir vos entreprises se multiplier. Quelqu'un me donne un grand amen. Alléluia. C'est fini, vous n'êtes plus voleur. Et si vous êtes connu par Dieu, Zamba koyeba yo. Dieu vous connaît. Zamba yebi yo. Il connaît vos entreprises. Il entreprise les sanctifie. Azo puli sango. Azo pambolango. C'est fini. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que na lobi na moto moko? C'est pourquoi Jésus va dire à ce jeune homme riche, va, kende, vends tout ce que tu as. Tekanyo soza nango. Donne-le aux pauvres. Pesa ngo na babola. Parce que ce qu'il avait, po, oh, azaki il croyait que c'était énorme. Akanisa ke ezaki punene. Jésus regardait. Mais sa tali. Il dit ça c'est des miettes. Adio eza babiloka mikemiki oza nango. Aux pauvres on donne les aumônes. Po et pas ba pauvres ba pesa ba aumônes. On ne donne pas l'offrande aux pauvres. Et pas ba pauvres ba pesa offrande de Dieu. L'offrande appartient à Dieu. Offrande za nza. Les aumônes appartiennent aux pauvres. Bah, aux Jésus va lui dire, va, donne aux pauvres. Ce qui est sur le banné, personne n'a pas une offrande. Et là, c'est ça qui offrande. Réjouis le cœur de Dieu. Oh, c'est pélis à moté, man. C'est l'aumône. C'est des miettes. Et ça qui va miettes. Pourquoi la Bible dit, y'a mon Bible et le Bible. Cherchez d'abord. Bon, le royaume de Dieu. Sa justice. C'est beau, c'est bon. Le reste. Oh, et Tikali. Le reste. Oh, et Tikali. Le reste. Oh, et Tikali. Etikali. Vous attachez au reste. Vous croyez que le reste va vous faire quoi? Etikali osa binonin. Jetez le reste aux pauvres. Bo bola. Et courez vers le royaume. Pebo kima et pas beaucoup dans l'ikolo. Bo simba nanu Yesu. Si vous avez Jésus. So kosa na Yesu. Vous allez le voir maintenant même. Bon, mon angosiko. Je parle pas de demain. Nazolo balobité. Je parle de maintenant. Nazolo basiko yo. Qui est Thérèse? Thérèse, c'est qui? Nani Thérèse? Thérèse, viens. Thérèse Yaka. Rachata, viens, Thérèse. Même si Thérèse, attends, soyez bosa 10. Même si vous êtes 10. Attends, soyez bosa 10. Venez. Boya. J'ai besoin de Thérèse. Nazolo ka Thérèse. Thérèse. Tu es le Seigneur qui me guérit. Tu es le Seigneur, mon guérisseur. Tu envoies la parole pour me guérir. Tu es le Seigneur, mon guérisseur. Thérèse. 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 Lukeba. Lukeba. C'est qui? Lukeba. 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 J'entends Lukeba. Lukeba. C'est qui? Lukeba. Qui est Lukeba? Nani Lukeba? L-U-K-E-B-A. C'est qui? Tu es où? Et cours vite. Quelqu'un acclame le Seigneur. Osawa Piyaka Mbango. Bravo, le ciel est largement ouvert. L'icolo s'est fongwami. Madame, le ciel est largement ouvert. L'icolo s'est fongwami. J'étais à Lille.
Tu étais à Lille. J'étais à Lille, je vous ai vu à Lille. Tu m'as vu à Lille. Oui. Mais tu n'étais pas localisé à Lille. Je n'étais pas localisé. Et Dieu te localise ici. Aujourd'hui. Alléluia. We give you praise. Hallelujah. We worship Jesus. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. Oui. Tu habites où? À Paris, Sartrouville. Tu habites à Paris? Oui. Tu as des enfants? Oui. J'ai trois enfants, trois filles. Trois filles? Oui. Il y a une qui va se marier bientôt le 24 août. Il y a une qui va se marier bientôt. Je vois deux, je vois quatre. Deux, quatre, 24. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? 24, c'est le jour du mariage. Le jour du mariage de qui? De la dernière. De la dernière. Oui. Calme, alléluia. Mais vous n'acclamez pas, j'arrête. Vous avez un bon côté, Natiki. Bravo, mon chétetete. My Jesus, you are God Almighty. Madame, mon Dieu arrive dans ta maison. Merci, merci, merci. Mon Dieu est arrivé chez toi. Alléluia. J'ai vu l'ange de Dieu entrer dans ta maison. Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans ton estomac? Qu'est-ce qui se passe là? Là, 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 longe mes monnaies. Voilà. Il y a quoi là? Ça brûle. Ça brûle. Oui. Thérèse, je vois une opération. Oui. C'est quoi cette opération-là? J'avais déjà eu l'opération il y a longtemps. C'est quelle opération tu as eu? C'était l'appendicite. C'était l'appendicite? Oui. Mais tu as eu une opération. Oui. Mais il y a un problème là où tu as eu l'opération. Parce que je vois là, 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 je vois une douleur là. Oui, j'ai une douleur. Oui. Voilà. Alléluia. Regarde. Je refuse cette opération, une nouvelle opération. Au nom de Jésus. Parce que je vois quelque chose dans le domaine spirituel. Amen. Je refuse cette nouvelle opération. Lève au nom de Jésus. Ta fille va se marier. Alléluia. Elle est où ta fille? Elle est au Cameroun. Elle est au Cameroun. Oui. Je vois un musulman. Il y a un musulman dans ta famille? Non. Je vois un musulman. Son mari est musulman? Non. Je vois un musulman. Ta fille a vu un marabout? Je ne sais pas, c'est la vie à marabout là-bas. Mais il faut demander pas. À ta fille. D'accord. Ok, dis-lui, l'homme de Dieu voit un musulman. Il voit un marabout. Oui. Qui fait des prières. Je vais détruire cette chose-là. Au nom d'accord. de Jésus. Maintenant même. In Jesus oui, name. Écoutez. Écoutez. Ma fille est née, elle m'avait dit qu'elle avait vu, parce qu'elle a les soucis avec son mari. Ah. Et elle, dans son lieu de travail, il y avait quelqu'un en marabout qui lui avait parlé des choses. Alléluia. Oui. Rachata Kabo, oui, ça me revient à l'esprit. Oui, c'est vrai. Je détruis ces choses-là. In Jesus name. Parce qu'elle a les soucis avec son mari. Son mari la laisse et va avec une autre. Dis à ta fille de se confier à Jésus de Nazareth. Ouais. Elle est en direct tout le temps avec vous. Elle est connectée. Elle est connectée. Oui. C'est pourquoi Dieu l'a localisée. Amen. Alléluia. Comment elle s'appelle? Elle-même, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Thérèse. Elle s'appelle Thérèse. Thérèse Aimée. Mais qui est Justine? Justine? Hein? Je n'ai pas de Justine. Ok, lève tes mains. Je vois une Justine.
Augustine, oui. Augustine, oui. C'est qui? Moi, j'ai Augustine aussi. Toi, tu es aussi Augustine? Oui, et celle qui va se marier aussi s'appelle Augustine. Augustine, oui. Lève tes mains. Lève tes deux mains. Mon Dieu est arrivé dans ta maison. Alléluia. J'ai vu l'ange de Dieu entrer dans ta maison. Alléluia. Aucun malheur ne vous arrivera. Au nom de Jésus. Aucun fléau ne vous arrivera. Au nom de Jésus. Le Dieu de Dieu ma cause. Alléluia. Le Dieu de ton isolation. Te visite dans ta terre. Jesus. Quelqu'un clame le Seigneur. Alléluia. Rochette Kabashatata. My Father, my Father. Thank you, Jesus. Madame, c'est toi, comment tu t'appelles? Thérèse. Thérèse. Toi aussi, Thérèse. Il y a un problème dans ta vie. Tu habites où? J'habite dans le 13e. Dans le 13e, je vois que tu souffres. Je te vois, tu as du mal à monter les escaliers. Oui. Est-ce que ce que je vois est vrai? C'est vrai. Tu as mal au genou. Oui, ça monte. Ça monte. Mal, ça monte. Parce que je vois beaucoup de douleurs au niveau de la hanche. Oui. C'est vrai ça? C'est vrai. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Lève tes deux mains. Est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai. Mais j'entends abandon, abandon. Qui t'a abandonné? Ma famille. Ta famille t'a abandonné? À cause de Jésus. À cause de Jésus. Quelqu'un donne une grande acclamation. Alléluia. Madame, tu es abandonnée. Ta famille t'a abandonnée. Oui, même mes enfants aussi. Même tes enfants aussi. Mes enfants, tout tourne en rond chez moi. Et mes enfants avec les diplômes ne travaillent pas, tout ça. Mais laisse-moi te dire une chose. Dieu passe par toi pour restaurer toute la famille. Parce que toute la famille souffre. Toute la famille est sous la malédiction. Lève tes deux mains. Au nom de Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur. Oh, Thérèse, toi aussi Thérèse. Hein? Oui, je suis Thérèse. Thérèse, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Cette taille-là que tu as, ce n'est pas ça. Hein? Tu n'étais pas comme ça. Non, non, non. Je te vois grosse. J'ai perdu du poids. Donc. Tu as perdu du poids. Tu as perdu combien? J'ai perdu 7 à 8 kilos. 7 à 8 kilos. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Regardez, je vois comme quelque chose qui ronge ton corps à l'intérieur. Ça te ronge, ça te mange à l'intérieur. Et tu sais, c'est la raison pour laquelle tu perds le poids. Il y a quelque chose que tu sens cette chose-là dans ton corps à l'intérieur. Ça surquille, ça va par-ci, par-là. Est-ce que je vois bien? Là. Hein? Côté gauche. Et qui acclame le Seigneur? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que Jésus-Christ fasse pour toi? Me guérisse, me restaure totalement. Tu souffres de quoi? Je ne sais pas, je ne comprends pas ce mal. Bon. Tu ne comprends pas? Mais parce que moi, j'ai vu la chose qui te ronge à l'intérieur. Oh, vous n'acclamez pas. Vous êtes à vos côtés. Tu te fais beaucoup de soucis. Hein? Tu vis seul. Tu es seul. Oui, je te vois seul. Je te vois seul. Et je te vois marcher aussi seul. Tu n'as personne dans ta famille. Mais pourquoi tu es seul? Là. La cousine, tu es où? Mais pourquoi vous la laissez seule? Elle est seule. Elle pleure seule. Elle souffre seule. Je la vois seule. Tu n'as pas de mari? Non, je ne suis pas mariée. Pourquoi tu n'es pas mariée? Ta vie est passée comme ça. Aujourd'hui, je vais envoyer l'armée des anges autour de toi par la grâce de Dieu. Quelqu'un clame le Seigneur. Rochette de Ramatata. Laissez-moi vous dire, mon Dieu n'est pas un journaliste qui montre les choses et qui ne donne pas la solution. Si Dieu montre ton problème, c'est qu'il a déjà donné la solution. Donne une autre acclamation.
ici, madame, toi aussi, Thérèse, mais toi, tu pleures. Oui, c'est vrai. Tu pleures beaucoup. Et je vois, tu dis, j'entends ta voix claire. Elle dit, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Tu as perdu quoi? Ça fait bientôt 5 ans que je suis là. Je n'ai même pas de papier. Même là où je suis, j'ai malade. J'ai demandé, le docteur, on me dit si je ne suis pas malade, mais... Mais tu as des maux de ventre. Oh, oui, c'est vrai. Ça fait très mal. Oui. Alléluia. Oh, vous là, vous êtes jaloux, hein? Il ne vous a jaloux, hein? Si tu n'es pas jaloux, acclame. Si vous êtes jaloux, t'es bête. Et les miracles viendront aussi vers toi. Madame, donnez-moi ma carte d'identité. Je veux lui donner le séjour. Alléluia. Je suis serviteur de l'Éternel, l'esclave de Jésus. Tu comprendras que tu as rencontré Jésus de Nazareth. Le monde saura que ce Jésus est vivant. Alléluia. Regarde, tu vois cette carte-là. Tous ceux qui l'ont touché ont été régularisés. Amen. Alléluia. Okay. Non! Mais tu n'as pas de dis à ton prochain, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Dis-lui, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Personne ne me ravira ce jour. Personne ne me ravira ce jour. Je prends mon miracle. Je prends mon miracle. J'arrache mon miracle. J'arrache mon miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Loukeba, c'est toi. Loukeba, viens, viens recevoir la grâce de Dieu. C'est mon frère. C'est ton frère? Oui. Il est où? Il est à Paris. Il est à Paris? Oui. Il ne prie pas. Je vois un esprit de mort qui le poursuit. Ça, je ne sais pas. Moi, je sais. Moi, là, moi, je vois. Amen. Je vais épargner ton frère de la mort. Nom de Jésus. Je ne connais pas. Je sais que notre famille nous combat tous les jours. Hein? Notre famille nous combat tous les jours. On vous combat toujours. Oui. Je veux l'épargner. Amen. Ah! Ah! Toi-même, Dieu te restaure. Amen. Il te restaure financièrement. Amen. Il est le même Jésus, il est le même, oh Jésus, ne change pas. Il est le même, il est le même, il est le même, Jésus, Jésus, il est le même, ah Jésus, ne change pas, il ne change pas. Madame, viens là-bas avec ces lunettes là. Toi qui suis le viens, viens, viens. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Mon Dieu, visite ta famille tout de suite. Au nom de Jésus. Il y a un esprit de mort dans ta famille. Je vois des morts se succéder dans ta famille. Viens, j'arrête cette hémorragie-là. Au nom de Jésus. Mets-toi là. Mets-toi là. Madame, je vois la mort dans ta famille. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Madame, je suis l'esclave de Jésus de Nazareth. Amen. Ta solution est venue tout de suite là. Alléluia. Take it! Jesus name.
Toi qui acclames le Seigneur. Jésus ne change pas. Il est le même de Nazareth. Jésus. Il est le même. Oh. Aïe, aïe. Jésus ne change pas. Beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas le don spirituel. Le don spirituel que nous sommes en train de vivre maintenant nous dit clairement que Jésus est dans cette salle. Jésus est dans cette salle. Et aucun homme ne peut connaître les choses qui sont cachés dans la vie d'un autre homme. Si ce n'est que l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas J.P. Makanzu. C'est Jésus, Jésus par son Esprit. Il est dans cette salle. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Le roi des rois, l'unique Dieu, le véritable. Alléluia, alléluia. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur. La personne qui avait une tumeur, quelque chose comme ça. Elle est où? C'est toi. Monte, madame. Ah, c'est toi qui avais la jambe là. Oh! Acclamez le Seigneur. Mettez la colo, ma boko. Donne une grande acclamation. Mettez la ma boko. Maman, toi tu marches avec ça. J'ai le cancer. Voici. Tu as le cancer. On a opéré, c'est encore poussé. Oh Jésus, vous avez vu cette jambe là? Oui. Jesus. Regardez cette jambe là. Bota la lokolo ana. Wa. C'est le cancer. Jesus. Nom de Jésus. Regarde. Jésus te libère aujourd'hui. Alléluia. Pas demain. Quelqu'un dit amen. Amen. Ah! Bon. Déposez-la, Jésus l'a guéri. Vous allez comprendre après. Madame. Il y a un changement. Pardon. Il y a un changement. Tu vois le changement? C'est léger. C'est léger maintenant. Alléluia. Tu peux marcher sans la chose là. C'est sans léger. Tu avais quelque chose pour marcher, non? C'est léger. C'est léger. Maintenant c'est léger. C'est Mais marche léger. Alors, marche. Alléluia. Marche. Alléluia. Regardez la dame. Bota la maman Oyo. Elle avait le déambulateur. Laisse-la marcher. Azaki la déambulateur. Amen son déambulateur. Béa la déambulateur, Wana. Alléluia, alléluia. Marche encore, madame. Tambola lissoussou. Donne gloire à Jésus de Nazareth. Pesa kembo na Yesu ya Nazareth. Pesa e kembo. Alléluia. Madame, tu es libre. Envoie ton médecin. Il n'y aura plus d'opération. Alléluia. La jambe va se rétrécir. Alléluia. Amen. Le but dans l'oreille, c'était toi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Il y avait une bulle également. Sous l'oreille. Cette chose a disparu. C'est extraordinaire. Je veux voir cette personne. Recevez la guérison. Sois le pico. Recevez la guérison. Sois le pico. C'était toi. Moi, je suis ici, j'ai touché tout le jour. Tu touchais tout le jour. Ouais, et là, maintenant, il n'y a plus. Au nom de Jésus. Donne une acclamation à Jésus.